Le chef de l'État français Emmanuel Macron a prononcé cette phrase d'une exacte justesse que je me permets de partager avec vous. La liberté de presse, disait-il, est la plus haute expression de la liberté. Fin de citation. La liberté de presse, c'est l'âme de toute démocratie et la liberté de presse en est à la fois le baromètre et l'essence, voire la substance. S'il est aujourd'hui à nos yeux un impératif catégorique, c'est celui de construire de nos propres mains une grande république des idées qui nous ressemblent, des idées qui nous rassemblent parce que riches de nos divergences de vues et porteuses de nos valeurs culturelles, sociologiques, historiques. C'est la première condition pour construire une vraie démocratie de libre opinion, celle qui exige l'expression de nos différences pour mieux articuler les contours harmonieux de notre avenir commun. Notre projet éditorial repose sur trois piliers: information, débat et décryptage. Plus que jamais, notre Web TV sera fondamentalement celle de toutes les opinions. Notre ligne est claire, liberté de ton forcément, mais responsabilité éditoriale d'abord et avant tout. Parce que nous ne perdons pas de vue notre mission citoyenne. À tout prendre, sur notre Web TV, du mieux que nous pouvons, nous ferons l'effort de vous expliquer l'info, de la décrypter, et nous organiserons en permanence la confrontation des opinions, même là où des lignes de fracture se révèlent. Et comme l'écrivait si bien M. Claude Imbert dans son tout premier éditorial à la naissance de l'hebdomadaire français Le Point, c'est vous qui allez nous juger et du même coup nous donner le droit de vivre. On compte sur vous.